Salut tout le monde, avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste glisser un petit message. Cet épisode sera probablement plus court, j'en suis désolé, mais je compte faire plusieurs essais afin d'améliorer la qualité audio des épisodes, et malheureusement j'ai un temps assez limité. Ceci étant dit, aujourd'hui on va prendre 5 minutes pour parler d'un hélicoptère. Ou d'une fusée, c'est assez compliqué, vous allez voir. Générique. Rotary Rocket, c'est le nom de cette compagnie dont les bases sont posées en 1990 et qui peut se vanter d'avoir un concept pour le moins original. En effet, Rotary Rocket propose de mettre des satellites d'un poids maximum de 3 tonnes en orbite basse terrestre à l'aide d'une sorte d'hybride entre un hélicoptère et un lanceur spatial, le Roton. Et le Roton aura le mérite de ne pas rester qu'un simple dessin oublié dans un placard. Un prototype sortira de l'usine en 1999 et volera 3 fois. Ce prototype aura une taille de 19,2 mètres de haut et 6,7 mètres à la base. Ce petit jouet pesait 180 tonnes. Cette dernière valeur reste cependant une estimation. Pour l'anecdote, la tête de rotor sera prise sur un Sikorsky S-58 écrasé. Seulement, ces 3 vols d'essai vont tous les 3 démontrer de sérieux problèmes liés au Roton. En effet, le prototype Roton ATV pour Atmospheric Test Vehicle s'est avéré extrêmement difficile à contrôler pour ces deux pilotes d'essai. Le Roton obtiendra même un score de 10 sur l'échelle de Harper-Cooper, échelle utilisée par les pilotes d'essai pour noter la difficulté de contrôle d'un véhicule selon plusieurs critères, 10 étant la pire note possible. Afin de mieux imaginer mes propos, sachez qu'aucun pilote sur simulateur n'a réussi à ne pas s'écraser avec le Roton. Les deux seules personnes capables de le piloter étaient justement ces deux pilotes d'essai. Et pourtant, le Roton avait de quoi convaincre. Un SSTO, Single Stage to Orbit, réutilisable, avec, pour la charge utile, un prix au kilo relativement faible pour l'époque, 10 000 dollars, soit 10 fois moins que les prix de l'époque. Un quatrième test sera d'ailleurs planifié puis annulé. En effet, si les précédents records d'altitude ne dépassaient pas 23 mètres sur un trajet d'un peu plus d'un kilomètre, ce vol-ci devait emmener les pilotes à plus de 3 km d'altitude, hauteur jugée trop dangereuse étant donné la stabilité précaire de l'engin, mais le vol ne sera pas annulé que pour ces raisons-là. En effet, les finances de la compagnie se portaient déjà mal à cette époque. Seulement voilà, Roton a joué de malchance et n'était probablement pas là à la bonne époque. En effet, à cette époque, le type de client visé par Rotary Rocket est très similaire aux satellites de la constellation Iridium. Oui, les Iridium des célèbres flashs du même nom. Or, le 17 mars 2000, Iridium se déclare en faillite, et même si Iridium s'en sortira in extremis, il entraînera cependant dans sa chute Rotary Rocket qui n'auront pas les mêmes chances et qui mettra la clé sous la porte en 2001, faute de moyens pour développer Roton, faute d'investisseurs et faute de potentiels clients. Quant au Roton, si vous désirez le voir, il devait être exposé au classique Rotor Museum, un musée d'hélicoptères de San Diego, mais, comble de l'ironie, lors du transport par hélicoptère, le Roton devenait dangereusement insautable au-dessus de 65 km/h. Il est donc toujours exposé près d'où il effectua ses essais à l'aéroport de Mojave, en Californie. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.